Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de colis Pokémon. Et c'est de la boutique Pokémon, c'est évidemment qui est la boutique partenaire de la chaîne. Donc voilà, j'ai acheté quelques petits trucs. Et en même temps, il y avait les cadeaux de fin d'année qu'elle nous fait à chaque fois. Franchement, un grand merci à elle. N'hésitez pas à aller checker la boutique. Tous les liens sont dans la description et vous avez un petit code promo aussi. Alors le code promo d'ailleurs va changer. Ça va plus être un pourcentage comme vous voyez, mais ça va être des petits bonus différents à chaque mois apparemment. Donc c'est ça qui va arriver bientôt, donc n'hésitez pas à checker de temps en temps la description pour voir les changements. Dans tous les cas, je vous les dirai en vidéo, ou alors tout simplement à me suivre sur Instagram, parce que c'est sûrement là que j'en parlerai en premier s'il y a des changements. En tout cas, ça va être une vidéo assez courte hein, parce que c'est juste ouverture de colis, on ne va pas s'ouvrir les cartes aujourd'hui. Mais voilà, petit colis de chez Pokémon, j'ai trop hâte d'ouvrir parce que j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait comme cadeau. Encore un grand merci à elle. Moi-même, j'ai acheté deux trucs, mais bon, ça a l'air plus gros que ce que j'ai acheté, donc on va voir les petites surprises. J'ai déjà évidemment préouvert le carton pour que ce soit plus simple pour moi. Donc c'est parti pour l'ouverture. Et bon, je vois déjà le gros item que j'ai acheté, qu'on s'est pas encore ouvert sur la chaîne, il était temps. Mais surtout, je vois le gros item. Franchement, j'ai l'impression qu'elle nous a grave gâté. On va ouvrir ça en dernier parce que je pense que c'est justement le cadeau de chez Pokémon. Waouh ! Ah ouais, d'accord, il y a ça en plus. Ok, bon, alors je vous montre en premier la première chose. C'est ceci, le TB de Goopix d'Alola. Évidemment, tout est sous papier bulle, tout est super bien protégé à chaque fois dans les colis de Pokémon. Donc du coup, ça fait grave plaisir. On va voir cette TB de plus près. Et donc la voici, regardez-moi ça, comment elle est beaucoup trop belle. J'avais hâte de la recevoir, je pouvais pas la prendre de suite à la sortie de Tempête Argentée. Mais du coup, ça y est, c'est bon, je vais la prendre et c'est sûrement... Eh bien l'item qu'on va s'ouvrir mercredi, donc cette semaine. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour voir l'ouverture. Ensuite, comme à chaque fois, on a plein de petits bonbons. Voilà, elle nous rajoute toujours plein de petits bonbons Pokémon dans ses colis. Et là, le gros que je m'y attendais pas parce que je n'avais pas commandé ça. Donc un très beau cadeau, ça fait très plaisir. C'est ce coffret de Electrode V. Voilà, je l'avais pas pris parce que ça rentrait pas dans mon budget Pokémon. Mais ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Franchement, il est stylé en plus. Electrode Dissui, j'aime plutôt bien son design. Donc le voici décellé. Franchement, il est vraiment assez stylé hein. Je sais pas si vous l'avez ouvert sur la chaîne, mais en tout cas j'aime beaucoup le design. On a une petite carte promo V du coup en même temps en jumbo. Et aussi une carte promo et aussi une carte promo en mode holographique de Electrode normal. Donc franchement très stylé. Et après du coup on a 4 boosters dedans. On a du Origine perdue et du point de fusion et du Star Étincelante, je crois. Je crois que c'est les 4 boosters qu'il y a dedans. Donc du coup on verra bien, mais ça fait une petite ouverture en plus sur la chaîne, donc ça fait grave plaisir. Et ce n'est pas tout, voilà, il y a 2-3 petits trucs en plus. Donc déjà il y a ceci que j'avais commandé, pareil je les avais pas pris de suite à la sortie. Mais il s'agit tout simplement de l'art set sous blister des 4 illustrations de Tempête Argentée. Bon après vous les connaissez hein, avec le Regidrago, le Gugupix, le Lugia et le Regieleki. Voilà, vous les connaissez ces illustrations. C'est juste que moi je fais la collection des boosters sous scellés de chaque extension, donc j'en prends un de chaque à chaque fois pour les mettre dans cette collection. C'est vrai que j'avais mis un peu de temps à prendre celle de cette série, mais c'est fait. Voilà, j'ai l'art set complet, pardon. Et après il restait deux choses là que je n'avais pas commandées, donc on va commencer par cette petite chose. Donc il y a un stylo, ça a l'air d'être potentiellement un calepin, j'ai l'impression. Oh oui, c'est un stylo Pokémon. Regardez-moi ça. Avec le petit logo de Pokémon et tout. Alors il est très simple, je sais pas quelle couleur il fait, mais Pokémon.fr, donc n'hésitez pas à aller voir la boutique. Mais c'est trop mimes, j'adore. Avec le petit, j'adore en plus Mentali et Noctali comme logo de la boutique, j'adore. Et du coup là on a un calepin et est-ce que... Ah mais oui, oh j'adore. C'est trop bien, regardez. Du coup, en fait, c'est un calepin avec Pokémon. Merci, le petit Noctali. Franchement, c'est trop mignon. Et du coup, bah, j'ai l'impression que c'est la même à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais c'est trop mignon avec le petit Noctali et le petit cœur. Franchement, c'est beaucoup trop mignon avec le petit merci, thank you. Mais merci à toi. Merci à toi, Mélodie, pour ce petit cadeau. En plus des calepins, on en a toujours besoin. Donc clairement, ça, c'est un cadeau très utile. J'adore. Et le gros, bah, j'ai l'impression, en fait, tout simplement, que c'est un sac. Mais c'est lourd, donc est-ce que c'est comme l'année dernière avec la petite tasse? Ça se trouve c'est ça, mais en tout cas c'est un... on voit très bien le logo là.
Tain, il a l'air grand en plus le sac. What? Mais en plus il a l'air quali et tout, hein. Attendez, oui, je sens un truc dedans. Oui, c'est la tasse de Pokémon. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, avec une couleur différente cette fois. Bon déjà, on s'attarde un petit peu sur le sac, mais regardez-moi ça. Alors attendez, j'enlève la lanière pour qu'on voit. Mais Pokémon, merci pour cette année 2022. Oh là là, ça fait trop plaisir, merci. En plus, il a l'air vraiment de très bonne qualité. Il est vachement grand. Il est à fermeture éclair. Donc ça, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Alors je sais pas du tout si ça sera disponible sur la boutique. Est-ce que c'est possible de l'acheter? Je ne sais pas, on a une petite poche aussi ici. Voilà, et après, bah, l'intérieur est assez simple, hein, mais franchement, il a l'air costaud et tout, donc c'est pas mal du tout. Moi, j'adore, je prends. Merci beaucoup pour ce cadeau de folie. Un petit tote bag, enfin petit entre guillemets, parce qu'il est quand même assez grand. Mais j'adore, hein, trop mims. Et du coup, le dernier item, c'est celui-ci. Donc la tasse habituelle de chaque année. J'avais eu celle de l'année dernière déjà. Et là, du coup, l'année dernière, elle était bleue, la once en tout cas. Là, elle est rouge, ça change un petit peu. Oh, et en plus, il y a encore une petite surprise dedans. Yes. Oh, il y a des petits chocolats. Oh, un Pokéball. Mais what? Mais trop bien. En plus, il y a deux sachets. Il y a deux sachets. Et c'est des... Vous savez, c'est pas les pièces de 1 ou 2 euros en chocolat. C'est des Pokéballs et en plus vous avez des bah, des Pokémon dessus. Là on a Bulbizarre par exemple. Mais il y en a d'autres. Là il y a Salamèche. Voilà qui est comme ça. Mais what? C'est trop mignon. J'adore. Et en plus il y en a des plus petits. Alors là c'est juste une Pokéball du coup. Par exemple, je sais pas si j'arriverai à bien vous faire voir. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Oui là comme ça je pense que vous voyez que c'est une Pokéball. On a un petit Togepi ici. Mais c'est trop mims. Je connaissais pas du tout ces... On a Meowth. On a qui d'autre? On a un petit rondoudou, on a un petit l'Arméléon aussi. Voilà, la 8G, ok. Je sais pas si c'est exactement les mêmes de l'autre côté. De l'autre côté, on a un Pikachu. Non, ça change en plus, mais trop bien. Wistempo et tout. Bah écoute, je sais pas du tout c'est que t'as trouvé ça, Pokémons, mais c'est trop mims. Non, mais par contre, je vais pas les manger, hein. Je vais les garder comme ça, je pense, c'est trop bien. Ça, ça fait collection et tout en plus. J'adore. Et du coup, la tasse sur le fond rouge avec... Pokémons, joyeux Noël, voilà, avec le petit design en mode Noël, avec le petit bonnet de Père Noël sur Noctalie. Et de l'autre côté, on a aussi du coup la même chose cette fois. Ouais, parce que celle de l'année dernière, donc il y avait Pokémons, joyeux Noël, merci pour cette... Non, je sais plus, attendez, je vais aller la chercher. C'est bon, je l'ai. Regardez-moi ça, donc ça c'est celle de l'année dernière, donc c'est le même logo, mais 2021, parce que c'était pour Noël 2021. Et du coup, de l'autre côté, c'était mon logo avec merci pour tout, Younali. Et là, bah, c'est tout simplement le logo de Pokémon qui revient. Mais c'est parfait avec un joyeux Noël cette fois, donc trop bien. La anse rouge, ça rappelle bien Noël en plus, donc c'est parfait. En tout cas, encore un joli mug à rajouter à ma collection. Franchement, grand merci pour ces cadeaux, Pokémon. Et du coup, eh bien, on va s'ouvrir quand même deux items dans cette petite ouverture, donc le TB et le coffret de Electrode V. Donc du coup, je vais pas m'attarder plus pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je rappelle, n'hésitez pas à checker la description pour la boutique de Pokémon, s'il y a plein d'autres choses en plus du Pokémon, il n'y a pas que des cartes Pokémon et tout, donc n'hésitez pas à y faire un tour avec le petit code promo. Et nous, eh bien, tout simplement, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !